dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, il est midi et quart, je suis debout depuis 10h moins quart. Oui, j'ai bien dormi. Malgré qu'à 6h et quart, sa fille est venue nous réveiller. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bien dormi après, ça m'a fait du bien de me reposer. J'ai fait tout le ménage en bas, j'ai fait toutes les poussières, le rangement, etc. Et l'aspirateur, c'est Bobo Lastico qui l'a fait, vous savez, le robot que nous, on aime tant, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Et il faut juste que je le remette en route parce que il n'avait pas assez de batterie pour faire le couloir parce qu'il a tourné très longtemps dans le salon. Je lui ai fait faire tout le tapis de la salle et du coup, ça utilise beaucoup plus de batterie puisque y a plus de travail à faire sur un tapis. Bref. Et j'ai fait tout le haut, vous avez vu, j'ai rangé. Il me reste à trier en fait toute mon armoire, vous savez, tous les hauts. Il y a des hauts que je mets plus, que je mets pas, etc. Que je vais enlever, que je vais mettre à vendre sur Vinted. Donc mon Vinted, il est juste ici. J'ai deux colis d'ailleurs à envoyer aujourd'hui absolument. Il faut que je les envoie tantôt, il n'y a pas le choix. J'ai pris beaucoup de retard sur ces deux colis. Je suis désolée pour si vous me suivez. Je suis vraiment désolée. J'ai enlevé également mes draps que je vais mettre à laver après. J'ai mis une machine, vous avez vu. J'essaye de m'avancer un max pendant ces deux jours de repos. Sur le ménage, le linge, etc. Mais en tout cas, toute ma salle, tout ça, tout est nickel. Donc ça, je suis très contente. Franchement, trop contente. Je vais enlever d'ailleurs les plantes là-bas. Ça sert à rien. Je vais les mettre dans le garage. Et puis voilà, je pense que pour ce matin, j'ai fait pas mal. Oui, j'ai une sale tronche, mais vous savez, quand je fais le ménage, je m'en fous un peu. On a mis, vous savez, la maquette à mat, on l'a mis là-haut, à côté de son truc, l'OM en bois que mon cousin lui avait créé. Et puis voilà, je vais finir par aller prendre une douche. Il me reste quand même l'aspirateur là-haut à passer et dans les escaliers. Et puis on sera bien. J'ai tout trié, j'ai galéré pour faire mes boucles d'oreilles, mais j'ai tout rangé également. Ça fait un bien fou. Comme ça, tantôt, je vais pouvoir laver mes pinceaux, passer l'aspirateur, ranger mon armoire, etc. Et ce sera plutôt pas mal déjà pour une première journée de repos. J'ai envie de faire une tartiflette, inviter mes beaux-parents ce soir à manger. Donc je suis en pleine réflexion si je le fais ou pas. Voilà. Je vous laisse là et on se retrouve plus tard dans le vlog. Bon, je vous ai complètement abandonné. Nous sommes toujours jeudi. Au dernier moment, j'ai invité ma belle-sœur, son conjoint, mes beaux-parents et la grand-mère à Matt pour fêter l'anniversaire à Alex, ma belle-sœur, parce que c'est ce week-end et moi je suis d'après-midi et ma belle-mère travaille et je sais que je pourrais pas finir plus tôt. Je me suis maquillée très très vite fait. J'ai fait un papier cadeau qui ne ressemble strictement à rien et un second papier cadeau juste ici. Voilà, je lui ai offert en fait, elle suit également bébé pulpeuse. Donc, je lui ai offert le livre et je les ai reçus aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. J'ai déjà mis ma table. Ça fait un moment qu'elle est mise, j'ai envie de vous dire. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. Mais vous inquiétez pas, ces recettes-là arrivent très, très bientôt. J'ai fait des mini financiers. Je vais vous montrer. Tout petit. Hop. Et j'ai fait également des cupcakes cœur coulant, enfin, cœur fondant. Chocolat blanc et je suis en train de faire une tartiflette. Voilà, j'ai acheté également des Viennetta en glace, donc j'espère que ça va lui plaire. Je vais m'attaquer à mes pommes de terre parce que je ne suis pas du tout d'avance. Et puis voilà, mes pommes de terre sont cuites, mes lardons, je vais continuer à les faire un petit peu cuire parce que j'enlève tout le gras. Et puis voilà, je suis désolée, je vous ai complètement abandonné, mais je me suis reposée, j'ai continué mon ménage. Il m'en reste encore, de toute façon on se retrouve demain dans ce même vlog. Et puis voilà, 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 voilà. Hop, on prépare tout ça. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop. Moi j'achète celle-ci. Pour la cuisson c'est très bien. Donc c'est parti. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou peut-être à demain ou peut-être à je ne sais quand. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi, jour où vous aurez ce vlog. J'ai commencé à me maquiller et je me suis dit qu'on allait retester ensemble la Anastasia Beverly Hills, la nouveau. Vous savez que mes parents m'avaient offert, m'avaient ramené des Champs-Élysées.
Je vous ai dit, j'aimerais beaucoup faire plus de make-up, etc. Moi, j'aime bien m'éclater toute seule, mais je me dis que pourquoi pas vous montrer un petit peu. On a un peu plus cadré tout ça. J'ai mis en bronzer le bronzer de chez Yves Rocher que j'avais acheté cet été, il me semble. Moi, je l'ai en teinte Al Chaud. Franchement, il n'est pas foufou. Je ne le trouve pas hyper pigmenté. Il fait un effet extrêmement naturel dû à sa petite pigmentation. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas mal quand même, mais bon, je trouve pas fifou quoi. J'ai pas encore mis de blush parce que je ne sais pas quel blush mettre en fait. Faudrait bien qu'on teste d'autres palettes. Attendez, je vais vous trouver une petite palette de blush sympa. Peut-être dans les Physicians Formula. On va utiliser le orangé là qu'il y a juste ici. Hop, ça va changer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas mal les Martine et la Pat McGrath. Bref, on utilise ça. J'ai toujours pas nettoyé mes pinceaux. Je me suis levée ce matin à 9h. J'étais réveillée à 6h30, mais je suis restée dans mon lit. J'ai réussi à me rendormir et ça, c'est cool. Et jusqu'à 9h. Et après, j'ai fait mon ménage parce que, bah, hier, je vous ai dit, j'avais invité du monde à manger. Et donc, moi, j'aime bien que ma maison soit propre. Et donc, là, c'est le cas. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire un peu dans les tons verts. Là, vous voyez plutôt bien les couleurs. Ça, ce sont des petites paillettes que j'aimerais beaucoup mettre. Et là, c'est un vert kaki. Et je sais pas, j'ai envie de kaki aujourd'hui. Et puis, je me dis qu'avec le blush orangé, le kaki, ça fait toujours bien. Donc, je procède toujours de la même façon. Il y en a qui font leur teint après. Moi, je fais toujours mon teint avant. C'est une habitude, en fait, que j'ai pris, hein. Donc, le petit kaki, c'est la couleur Liberty. Je la mets en creux de paupière externe. Et c'est toujours ce que je fais. Je commence toujours par mon creux de paupière externe. Je parais tellement orangée. C'est la lumière, ça. Attendez. Là, c'est jaune. Et là, c'est blanc. Peut-être mieux comme ça, non? Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Je vous montrerai de toute façon au pire à la lumière naturelle après. Donc, je ne fais pas un make-up de fou parce que déjà, tantôt, je vais au boulot, je travaille pas. Mais j'ai promis à une petite dame de l'emmener à la banque et de l'emmener acheter des vêtements avec les sous qu'elle va pouvoir retirer de sa banque. Et je lui ai dit que j'allais lui offrir un petit coup à boire, ça allait lui changer les idées. C'est une petite dame que j'ai complètement pris d'affection. Ça ne m'est jamais, jamais arrivé auparavant. Des patients, des résidents que j'aime beaucoup, oui. Mais d'affection comme ça, pas du tout. Jamais je serais revenue sur mon temps de repos pour le travail, en fait. Et puis là, j'ai trop envie. J'ai envie de lui faire plaisir. Elle n'a pas vécu des choses faciles en cette fin d'année. Donc, écoutez, je vais faire ce que j'ai envie de faire tantôt. Donc, voilà. Peut-être que je filmerai, mais bon, vous la verrez pas, bien sûr. Hein. Faut pas abuser. J'aime trop ce petit kaki. Donc, c'est ultra simple. Hein. Vous savez que vous n'aurez pas de make-up ultra sophistiqué. Chez moi, je vous conseille plus d'aller sur Instagram pour tout ce qui est make-up sophistiqué parce que, y en a qui sont excellents. Je pense par exemple à Justine qui, des fois, nous fait des. C'est une pro des traits de liner, je trouve. Et moi, je suis une nulle là-dessus. Donc, si vous aimez les traits de liner, n'hésitez pas. Justine est plutôt pas mal. Vous êtes nombreux à me demander, vous ne vous parlez plus avec Justine, mais si, mais sachez qu'elle a déménagé, elle habite plus du tout à côté de la maison en fait. Donc, effectivement, on se voit beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais on s'écrit toujours assez régulièrement. Et on se voit normalement le 6 février, bah, puisqu'elle descend bah, voir ses parents. Donc, en même temps, elle va venir nous faire un petit coucou. Donc, voilà. Hop. Ce petit make-up. Et donc, je prends un pinceau plat et je prends de la teinte. Hop, sur ma paupière mobile, j'ai mis la teinte fleur pour uniformiser ma paupière. Et là, ça va être la teinte. Hop, ce sont des paillettes pressées, tout simplement. Vous n'allez rien voir, c'est dommage.
Et je mets ça. Donc je tapote parce que si vous êtes allé, vous allez casser la comment? Merde. Je vais vous en reparler après. Vous allez casser la paillette et ça ressemblera plus à rien. Attendez, mes plans vont sûrement changer tantôt. Vous montre ça. Je vous montre de plus près. Donc voilà, j'ai mis un peu de paillettes. Moi, j'aime trop ce genre de petit make-up. On va juste estomper. Hop. Là, et je pense qu'on va prendre la physicienne également pour faire, vous savez, un petit peu de. Attendez, je vous repose. Ça m'a perturbé le message de ma collègue. On va prendre cet highlighter-là pour en positionner un tout petit chouille. Je prends ça. Donc, ce sont des très très jolis highlighters aussi, je trouve. Mais vraiment, vous voyez, parcimonie. J'en mets un peu sur le bout du nez, on remonte et. Là, un petit peu de mascara. Donc j'essaie de terminer ceux qui sont ouverts. D'ailleurs, on va mettre une base. Il faut que je finisse la Dior. Elle est pratiquement vide. Ça a été un coup de cœur, la base Dior Show. Mais franchement, vu le prix, je trouve que celle de chez Essence tape bien mieux l'affaire en fait. Ça m'a perturbé le message de ma collègue. Bref. Je finis celui-ci, qui est pareil, il est pratiquement vide. Hop. Et tout seul, je trouve qu'il est nul. Avec une base, il est un peu mieux, même si c'est pas non plus le mascara, je trouve, de l'année. Chez Sephora, vous avez le Size Up. Lui, je vous le recommande à 100%, puisque je trouve que moi, il ressemble vraiment au Pat McGrath, au Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà. Très bien. Donc un petit coup de blush. Pareil, on va enlever les pigments qu'il y a sur ce pinceau. Ça, je l'avais eu chez AliExpress, mais celle de chez Sephora est très très bien également. Si vous voulez pas acheter sur AliExpress, je me demande même si Shein n'en fait pas de ce genre de boîte-là. Faudrait que je regarde. Hop. Un petit make-up. J'ai commencé le montage de ce vlog. Je vous ai mis en accéléré une petite partie ménage, etc. Que moi j'adore faire. Je sais que des fois ça plaît pas à tout le monde. Mais écoutez, je fais mes vidéos aussi comment moi elles me plaisent, quoi. Je vais remettre celui-ci de chez Maybelline, vous savez, le Ink Crayon Super Stay. Moi, je l'ai en teinte 10 et je l'aime beaucoup. C'est un très joli nude et qui tient plutôt bien. Voilà. Un petit peu de parfum. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas des make-up de la folie furieuse, mais bon. Hop.
Vous voyez, je me parfume toujours avec Nox. Hein. Quand je vous dis que je les aime bien, je ne vous mens pas. Je vais mettre une petite paire de bagues. Mettre celle-ci, je sais plus. Je sais plus d'où elle vient, si c'est Warrior ou pas celle-ci. Et puis je vais mettre celle-ci qui vient. Qui vient du site Grandiose, qui fait des bijoux grande taille, et franchement j'aime trop. Vous avez tour de poignet, tour de cou, etc., qui sont plus grands que les bijoux standards, et j'aime trop cette marque. Elle s'appelle Bénédicte, il me semble, et elle m'a toujours fait confiance. D'ailleurs, si tu passes par là, Bénédicte, n'hésite pas à me refaire confiance. Hop. Oui, à Quémande. Non, je ne quémande pas. J'aurais bien mis un petit bracelet, mais toute seule, je sais que je ne vais pas arriver à me le mettre. Ça, je l'avais eu dans une petite boutique par chez moi, mais je demanderai à Mathias de me le mettre ce midi. Et une petite paire de boucles d'oreilles. Que va-t-on mettre? Que va-t-on mettre? Je ne sais pas. Tiens, je vais mettre mes Georgettes. Les Georgettes que mes beaux-parents m'avaient offert, je sais plus quel Noël. Ce sont les fines, mais elles sont très très jolies. Il y a des petits diamants, tout ça, des petits strass de diamants. N'abusons pas quand même. J'aimerais bien, j'aime pas trop la marque Georgette, mais ceux-là, je les aime beaucoup. Et j'aimerais trop m'offrir une grande paire de boucles d'oreilles Georgette. Je les trouve trop jolies. Celle-ci, je vous les mets en photo. Et j'aimerais bien avec un cuir noir ou un cuir. Pailleté doré, j'aimerais beaucoup. Hop, voilà. Ça faisait très longtemps que je les avais mis et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Hop, le lit est fait. Vous savez que moi j'aime bien replier ma couette. J'ai changé les draps. J'ai mis les draps que mes beaux-parents m'ont offert à mon anniversaire et franchement ça rend plutôt chouette. Donc voilà. Il faudrait que je range aussi mon armoire cet après-midi, vous savez. Je vous ai dit que j'aimerais faire le tri, donc j'ai ça à faire tantôt. Et puis voilà, je sais pas trop quelle heure il est, il doit être midi. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai refait un petit coup de ménage partout. Donc ça, c'est cool. Bref, je vais appeler une de mes collègues et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on a fini de manger. Je voulais vous revenir, je sais pas trop si ça se dit. J'ai reçu le livre de Bébé Pulpeuse, je suis trop contente, donc de Bérangère. À la sortie de son livre, je vous le mettrai en barre d'infos, je crois qu'il y a encore quelques petites pièces. C'est les recettes de la famille Minou, on adore ça à la maison. Bref, c'est Bérangère qui a fait son petit livre, franchement, je le trouve vraiment chouette. Il n'est pas trop petit, pas trop grand, la qualité papier, franchement, elle est top. Vous avez de l'apéro jusqu'au dessert, en passant par le goûter, les plats, etc. Elle a fait plein de remerciements, je trouve ça très cool aussi, pour sa famille, son mari et tout. Et elle avait demandé sur Instagram de mettre un petit message. Et donc, elle a mis des petits messages comme ceci, Instagram, et moi je suis juste là. Regardez. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Béret Beauté Plus. Donc franchement, je suis trop fière en plus d'être dans son livre. Donc c'est très gentil, je trouve que c'est une petite attention qu'elle a eue. Peut-être qu'elle n'a pas du tout fait attention à qui elle a pris les messages. Ça m'étonnerait, mais je suis trop contente, ça fait vraiment plaisir. J'ai préparé un petit post Insta, je vous ai fait un petit boomerang et tout, parce que je trouve que c'est hyper, hyper, hyper cool. Enfin, moi j'ai fait ça pour Bérangère, parce que bah, vous savez que je l'aime bien, que je la suis à chaque sortie. Bibi, à chaque sortie de vlog, je regarde, etc. Mais j'ai fait ça pour d'autres personnes. Hein. Quand Sana a sorti sa collection make-up, j'avais fait des petites photos. Quand à l'époque, il y a eu les livres, vous savez, de Elsa Make-up, Noémie Make-up Touch, etc. J'avais fait des petites Insta stories, etc. Donc, et puis là, bah voilà. Bérangère, c'est quelqu'un qu'on se parle
pas tous les jours, pas du tout, mais on se parle régulièrement et c'est quelqu'un que j'aime bien, donc voilà, j'ai fait un petit post Instagram, mais ne voyez aucun truc chelou dedans. J'avais acheté 3 livres de recettes, un pour ma petite belle-sœur parce que je sais qu'elle suit Bérangère et qu'elle l'aime beaucoup, un pour moi et j'en ai acheté un pour vous, donc il y aura un concours très prochainement sur Insta, je pense. Ou là, je ne sais pas encore, mais il y aura bientôt un concours pour remporter ce petit livre de cuisine si ça vous intéresse. Elle est vendue 18,90 € hors frais de port, mais franchement, je trouve que la qualité du livre est vraiment, vraiment chouette. Avec les spirales, je trouve ça hyper pratique, donc je suis très, très contente de l'avoir reçu. Donc voilà. Tantôt, je ne vais pas aller m'occuper de ma petite dame, il y a eu un gros souci médical, du coup, bah voilà, je ne peux pas. Mais je vais aller boire un coup en ville avec deux de mes collègues. On va aller boire un coup au niveau du port. Vous savez, je vous emmène assez régulièrement au niveau du port. Je vais vous emmener avec nous, je vais vous montrer. J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Ça m'embêterait. Petit make-up, là, vous le voyez bien, la lumière naturelle. Trop bon. J'aime trop. Donc voilà. Je suis en train de regarder en même temps scène de ménage. C'est très intéressant. Intéressant. Ils sont où, eux? Ils sont là-bas, regardez. C'est lui, là, il va tout le temps l'embêter. Hein, Saphir? Saphir? Là, il m'écoute pas quand c'est comme ça. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Vous l'aurez pas à 17h30, je pense pas, ce vlog, mais on verra bien. Écoutez, on verra bien. Bon, j'ai été boire un petit café avec mes collègues sur le port. C'était très, très, très sympa. Je vous mets, j'avais fait une petite story, mais franchement, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai été acheter du lait parce qu'on n'a plus du tout de lait et donc je vais faire quoi? Des crêpes. J'ai envie de crêpes. Donc Mathias en mangera certainement salé. Je vais lui demander s'il préfère que lui, je lui fasse des crêpes sarrasin. Parce que j'ai de la farine sarrasin, au pire. Je vais lui demander ça. Il est 4h10, du coup je vais clôturer, je pense, ce vlog maintenant. Et comme ça, je vais en refaire un pour vous en ayez un dimanche après-midi. Pareil, 17h30. Et voilà. Celui-ci aurait été assez simple, je pense. Beaucoup de blabla, mais c'est bien aussi des fois de se reposer. Et donc voilà. Franchement, aujourd'hui, il fait vraiment, vraiment beau. Il fait pas très chaud. On a bu notre café dehors parce que toutes les trois, on est fumeuses et on aime bien fumer notre clope en buvant notre café. Du coup, on était sur le port. Il fait pas très chaud. Mais franchement, c'était très, très agréable. Lui, regardez. Il est devant la fenêtre parce que le soleil tape sur la fenêtre. Comme ça, il est un peu plus chaud. Et ma fifi, elle doit être là. Bref, en tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite dans un nouveau vlog, comme je vous dis, je vous adorais dimanche. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Moi, c'est mon week-end de travail, je suis d'après-midi. Et puis voilà. Je suis d'après-midi avec une très très bonne collègue, donc je suis très contente. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et puis bah portez-vous bien. Bisous tout le monde.